Travailler chez soi nécessite d'avoir un espace agréable et aménagé, qu'il soit dans le salon, dans la chambre ou dans la cuisine. Certains salariés veulent pouvoir être à l'aise. Ils font donc appel à des architectes et des décorateurs intérieurs. L'agence a eu beaucoup de demandes depuis la mise en place du confinement. Un salarié qui travaille chez lui de façon confortable, agréable, sur un espace qui est fonctionnel, constitue pour sa société une meilleure valeur ajoutée. C'est clair. Donc, on a besoin d'être bien pour travailler. Chez cette cliente, un projet de rénovation de la cuisine avait déjà été entamé. Mais avec l'arrivée du confinement et du télétravail, tout a été repensé. Il y a eu des variations d'un point de vue matériaux, puisque le client a souhaité mettre son point de bureau de travail au centre névralgique de la maisonnée, donc la cuisine. Les matériaux étaient beaucoup plus foncés, donc on a apporté des notes beaucoup plus fraîches et joué avec vraiment la lumière pour que l'espace soit beaucoup plus lumineux. Un plan de travail clair, des meubles blancs à la place de bleu canard, une grande verrière ouverte sur le salon et une décoration épurée. La cliente voit vraiment la différence avec le début du premier confinement. Je me suis retrouvée enfermée dans mes quatre murs de chambre sur une petite table ronde comme ça. C'était un peu compliqué et j'avoue que j'ai respiré quoi. Quand on a refait mon espace en bas, waouh quoi. C'était totalement différent. Selon une enquête réalisée par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines sur 2000 personnes, 92% d'entre elles disent apprécier de télétravailler sur ce territoire.